appel. Parler avec la population. Bon, deuxième fois. Dernier, ça a gagné environ 6 mois. Et je dis, je vais présenter bilan ensemble de opérations et de travail qui est fait pour l'année 2022 au niveau de la police nationale. Également, perspective que l'on gagne pour l'année 2023. Nous sommes capables de constater que le commandant l'a accompagné de plusieurs membres dans le commandement, également quelques unités spécialisées. Le commandant-chef là est accompagné de l'inspecteur général en chef là, qui c'est M. Fritz Saint-Fort, directeur cabinet, c'est l'inspecteur général de la police judiciaire, inspecteur général Frédéric Lecomte, DCPA. DCASG, c'est M. Inspecteur général Marie-Elva Silva Nassar-Pierre, inspecteur général Francel Moreau, inspecteur général Jean-Pierre, inspecteur général Max Miller, et avec le commissaire titulaire Jean-Pierre Etienne, inspecteur général. Et en pile fois, qu'on y ait un pillage après manifestation, ça. Blocage route, événement pays loc, crise carburant, blocage terminal Vaoué, qui est le principal site de stockage et de distribution carburant en un pays, ou du pétrolier en un pays. Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui sont réalisées, 63 perquisitions qui sont faites à travers tout le pays. Au cours de l'opération SAO, il y a 12 964 arrestations qui sont faites. Et qui répartit comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours d'opération ça nous fait de saisie tout. Nous saisis 367 armes à feu. Et parmi eux, gagné 39 fusils d'assaut. Nous saisis 146 234 cartouches. Armes que nous avons gardé là, et au moment de nous filmer, c'est en partie les armes que nous saisis. Parce que gagné des armes
qui oblige à rester dans la juridiction yo, parce que yo la main autorité judiciaire yo, pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 étaient dans le sud-est, en main la justice et autres. Au cours de l'opération Sarayotou, nous saisis 2738.38 kilos de drogue. Et parmi eux, 54.87 kilos de cocaïne. Nous détruit 5 plantations de drogue. L'engouement contre le kidnapping, le phénomène kidnapping, nous libérons 41 otages et nous déjouons 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Bois-des-Bouquets, Tabar et la région et le département de la Tibonite. Nous avons 149 bandits malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Il y a 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons, ou du moins confisqués. Nous saisissons 3 bateaux avec une yacht. Nous pas seulement arrêté l'enfer opération dans l'arrière seulement, mais en dans l'institution de la police, là, nous prenons des mesures pour nous assainir l'administration de la police. Mais juste ça, nous révoquons 1432 fonctionnaires. Et parmi là, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes. On a noté que le travail d'enquête, donc son synergie qui est développée en commandement entre l'inspection générale de la police là et la direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure, dans le cadre d'assainissement institution, nous retournons en finance 10 825 chèques qui totalisaient 219 795 500 gourdes. Nous retournons dans la finance. Nous annulons 1204 débits BNC. Nous annulons. En non-institution, octroi contrat, vous faites selon les normes. Jean, finance publique là, Mandil. Nous soumettons 24 contrats. Et le contrat ça arrive signé après approbation Commission nationale de marché public. Donc contrat barre dans la police selon la loi. Quelle action que nous faisons qui visait améliorer conditions de travail policier et bien-être policier. Parce que faut que nous encourager les policiers et faut que nous mettions les policiers en valeur par rapport à la responsabilité que nous avons dans le pays, surtout dans le dernier moment. Nous prenons un exemple. Décret indemnisation des policiers victimes et les ayants droit des policiers décédés dans le cadre de leur service. Ça, c'est un outil légal qui engage l'État pour que les policiers, dans le cadre de travail, les blessés, les victimes, ou du moins, marchent pour les mourir, pour que par un policier, ou du moins, policier et victime, pas à la merci, un bon papa en dans l'administration publique, là, mais un engagement de l'État envers les policiers. Nous sommes capables de dire
que le décret ça a commencé à appliquer. Parce que je dis, nous sommes capables de dire qu'il y a un parent policier qui est décédé qui recevra un chèque ça dans le cadre du décret ça que nous parlons. Et nous profitons de l'espace ça pour nous remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, et reste gouvernement qui ban nous outils ça, aux outils concrets pour policiers. Grâce à mesure d'assainissement que nous prenons dans l'institution, sans que nous pas joignent augmentation budgétaire, nous arrivons augmenter prime de risque policier pendant l'année en deux reprises. Deuxième augmentation qui commence à partir d'octobre 2021. Unité spécialisée, BIO, donc à partir d'octobre, je suppose que une prime de risque augmenter en deuxième fois pendant l'année. Sans augmentation budgétaire. Pendant l'année, nous arrivons à réhabiliter 25 lieux de police. La façon pour que nous améliorions l'environnement de travail policier. Nous arrivons à concrétiser, appliquer le programme Onapolis pour éviter que les policiers noirs doivent couper dans la rue. Mais avec le programme, ça, ils ont en mesure pour que nous jouions des prêts à un taux préférentiel. Pendant l'année, pour sacrifice policier fait dans la rue, chaque jour plus qu'un vie dans la rue. Surtout dans les derniers moments. Donc, gagner un prime que spécial que des policiers. C'est un prime d'efficacité que nous avons octroyé à plus de 3000 fonctionnaires police. Policiers, tant que personnel administratif. Tout le monde n'a pas de cas jeune dans la police, mais il y a 3000 personnes qui joignent. Et nous profiter de l'espace pour nous remercier le ministre financier pour la bonne collaboration qu'il a. Par rapport à travail policier, par rapport à confiance population a renforcé dans la police là, gagné plusieurs entreprises sous marché là qui octroyaient de rabais à des policiers et employés administratifs. Nous profitons de l'espace là pour nous remercier. C'est un geste symbolique et son geste que policiers ont apprécié, ils voient qu'ils ont apprécié le travail. Et ça a bon courage. En dans la police, là, nous prenons la question de valeur, valeur et mérite dans l'institution de la police. Ça fait que nous arrivons à féliciter 546 policiers et personnel administratif en dans la police. Nous avons tout 47 policiers qui sont honorés par d'autres institutions. Ça montre l'appréciation de la population à renforcer l'institution de la police. Et nous promettons la population que la police a grandi chaque jour. Institution qui honore la police, là, nous sommes capables de citer deux trois, c'est ULCC. Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public, CNMP, avec l'autre institution encore. Nous arrivons à 2258 policiers et personnel administratif promotion. Et nous faisons selon les critères qui préétablissent nos institutions, ancienneté et compétences. Pas son monde. Et grâce à mesure d'assainissement, nous faisons tout.
sans que nous pas augmenter, sans que nous pas jouer une augmentation budgétaire, nous arrivons à employer plusieurs petits personnels qui, à travers commissariat, direction départementale, commissariat de province, commissariat de zone métropolitaine, qui ont plusieurs années qui a bail service en institution qui n'a jamais touché. Donc, grâce à mesure d'assainissement, nous arrivons à nommer tout en tenant compte du principe de finance publique là, ligne budgétaire nous répond pour que nous fassions nomination ça. Au cours de l'année, nous arrivons à renforcer le commandement de la police. Là. Il y a des commissaires, 94 commissaires qui à peine gradués. Je pense que ça a été bon pour l'institution de la police. Là. Côté que deux monde qui allait dans le concours, sans monde pas,